les grues, ça vient d'une gamine d'Hiroshima qui a été irradiée après l'explosion atomique, oui, et qui a chopé une leucémie. Et les parents lui ont dit, si tu fais 1000 grues, tu seras sauvée. Elle a commencé à faire des grues, elle en a fait 800 et elle est morte. Okay. Donc les enfants des écoles d'Hiroshima ont fini par faire les 200 qui manquaient. Mais ça s'est répandu avec une coutume, les écoles d'à côté l'ont fait, et du monde entier. Aujourd'hui, le musée d'Hiroshima reçoit 10 tonnes de papier de grues de par le monde. Alors, ils ne les brûlent pas, ils se resservent du papier pour le recycler et faire des cartes de visite et des affiches.